Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est lundi, donc lundi, le jour de toutes les opportunités, donc le jour où vraiment on va pouvoir faire le plein pour se lancer pendant toute la semaine vers nos objectifs, vers nos perspectives, vers ce qu'on veut réaliser, vers tout ce qu'on souhaite. Vraiment c'est le jour de l'opportunité. Alors moi je ne sais pas pour vous, mais lundi c'est vraiment le jour où je sens que tout est possible. En tout cas, je suis content, je suis très très excité de reprendre le travail, de commencer à mettre en place les stratégies que j'ai préparées, les éléments que j'ai préparés pour me lancer pour toute la semaine. Donc c'est super excitant et ça fait du bien, ça fait plaisir, surtout quand tu es dans quelque chose qui te passionne et tu te sens vraiment bien. Alors, pour toi, encore une fois, je sais pas où est-ce que tu en es dans tes objectifs, où est-ce que tu en es dans ta vie, dans ce que tu veux réaliser. Je ne sais pas où est-ce que tu en es. Mais une chose que j'aimerais te dire ce matin, c'est que aussi longtemps que tu peux dire aujourd'hui, donc tu peux le réaliser. Aussi longtemps que tu peux dire aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Vraiment, pourquoi je le dis? Parce que le temps égale vie. Donc, le temps que tu as, c'est ta vie. En fait, quand tu te lèves le matin, tant que tu peux dire aujourd'hui, donc c'est-à-dire que tu as la possibilité de réaliser quelque chose qui va t'emmener, te rapprocher vers ton objectif, vers ton but. L'idée, ce n'est pas de se plaindre, ce n'est pas de mettre la faute sur les autres, mais c'est de dire, mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que je veux faire avec ce temps que j'ai aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça pour pouvoir profiter de la journée? Qu'est-ce que je vais faire pour que cette journée-là ne soit pas une journée gâchée? Ou du moins, pour que je ne sens pas que c'est une journée gâchée pour moi, en fait. Voilà. Alors, donc, il y a des choses simples à mettre en place, il y a des choses simples à faire. Et moi, je te conseille vraiment, donc, si tu es là aujourd'hui, si tu arrives à dire ah, aujourd'hui c'est lundi, c'est que ben, tout est possible pour toi de réaliser de grandes choses, de commencer par mettre en place, par réfléchir déjà qu'est-ce que tu veux faire et comment tu vas les faire et qui tu vas appeler pour t'aider à les faire. Donc c'est vraiment important. Donc, ce matin je me suis réveillé avec ça, mais je me suis dit waouh, mais c'est excitant de se lever le matin, le lundi matin, de dire que waouh, la journée commence. Tu as beaucoup de choses qui en perspective. Bonjour Michel, tu es content. Donc voilà, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin pour te dire que tout est possible. Si encore aujourd'hui tu es là, donc tout est possible. C'est que ben, tu as encore une journée, tu as encore 24 heures, tu as encore beaucoup de temps pour faire plein de choses. Et imagine une chose, si tu as le temps, c'est que tu as de la vie. Donc si tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas de vie. C'est tout simplement ça. Donc maintenant, ce temps et la vie que tu as, je sais que c'est précieux pour toi. Canalise-le vers des choses qui comptent pour toi, qui comptent vraiment pour toi. Alors, je te remercie vraiment pour ça. Et c'est vraiment le conseil que j'ai pour vous tous ce matin. Prenez le temps de dire, bah, wow, si aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, c'est que bah, je peux déjà, par la gratitude, dire que wow, c'est une bénédiction que j'ai pour faire ça, pour pouvoir le dire, pour pouvoir vivre. Mais maintenant, passe à l'action et faites des choses. Faites des choses pour réaliser le rêve de votre vie. Faites des choses pour réaliser ce que tu as réalisé. En fait, parce que ta vie compte. Ta vie compte, ton temps compte. Ta vie compte sur cette terre. Ta vie compte pour les gens. Ta vie compte pour le monde. On a besoin de toi. Vraiment, vraiment, mets-toi en action. La pire des choses, c'est de ne rien faire à cause que tu vas dire que c'est trop tard. Il y a certaines personnes qui vont dire dans leur vie, mais c'est trop tard, j'aurais dû le faire depuis quand j'avais 30 ans, j'aurais dû le faire quand j'avais 40 ans, bah, aujourd'hui j'ai 50 ans, ou je ne sais pas, j'ai 63 ans, bah, bref, c'est trop tard, bah, je suis plus jeune comme avant. En fait, tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est possible, alors fais ce que tu as à faire dès maintenant, passe à l'action et réalise ce que tu as à réaliser, parce qu'il n'est jamais trop tard. La pire des choses, c'est de penser qu'il est trop tard et de ne rien faire. Il y a un proverbe qui dit que quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu es bloqué, tu ne trouves pas de solution, c'est de faire quand même quelque chose. Alors, bouge, peut-être faire la vaisselle, je ne sais même pas, je vais faire un truc très simple qui va t'apporter ce qu'on appelle en psychologie, on utilise ce terme, l'insight. L'insight, c'est quand on...
C'est quand on était à court d'idées, par exemple, on ne savait pas quoi faire. Et puis, y a une prise de conscience qui s'est mise en place. En coaching, on parle beaucoup de prise de conscience. Et dans cette prise de conscience, il y a l'insight qui arrive et qui, d'un coup, tu as une idée, bouf, qui arrive comme ça. Tu ne sais pas d'où ça vient et que ça débloque une situation. Donc voilà, développe et vraiment faites quelque chose pour que demain tu n'auras pas de regrets. Parce qu'en fait, ce qui est pire, c'est que quand tu arrives, peut-être quand tu es sur ton lit de mort, tu te dis, ouais, maintenant, ah mince, j'aurais dû le faire. Même hier, avant, j'aurais dû le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors, il n'y a pas raison que tu sois, que tu restes dans ton regret. Il n'y a pas raison que tu restes dans ta peur. Alors, faites aujourd'hui ce que tu as à faire. Vraiment, je t'encourage vraiment à profiter de cette semaine. Faites un petit bilan. Écris vraiment des choses que tu aimerais faire. Ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires. En fait, je vais vous dire une chose qui est simple. En fait, tu vas réaliser de grandes choses dans la simplicité. Moi, je l'ai vécu. En fait, c'est ce que je vis dans ma vie de tous les jours. Tant que je complique les choses, tant que je les gâche, mais tant que je les simplifie, tant que je les réussis de manière extraordinaire. Donc, ce qui veut dire que si tu vas sur les choses simples, tu peux réaliser ce que tu as réalisé. Et en tout cas, cette semaine, je te souhaite le meilleur pour ta vie, pour cette semaine. Donc, tu as une semaine entière pour réaliser de grandes choses qui vont t'apporter un maximum de bienfaits dans ta vie, un maximum de bienfaits pour tes proches, un maximum de bienfaits pour les gens que tu aimes et que tu vas pouvoir servir. Voilà, je te souhaite une très belle journée et profite de ce jour pour dire, tant que tout est encore possible, tant que je vis, tant que je peux dire aujourd'hui, n'oublie pas ça, tant que tu peux dire aujourd'hui, tu peux encore le faire. Alors, je t'encourage vraiment à passer à l'action, à ne pas laisser tomber. Regardez le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. Dans chaque crise, n'oublie pas, dans chaque crise, il y a des opportunités. Dans ton problème, il y a des opportunités. Ton problème, c'est pour une cause bien précise. Il y a une solution derrière. Et peut-être, c'est peut-être que ton problème là, si tu réalises, si tu résous ton problème, c'est que tu vas résoudre le problème de milliers de personnes. On ne sait jamais. Alors, passe à l'action. Ne dis pas que c'est trop tard. C'est pas trop tard. Tant que tu vis, tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Alors, faites quelque chose et passe à l'action. Bonne journée à toi. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouveau live. Et ce serait avec un grand plaisir de pouvoir te servir. Avant de partir, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, j'offre encore 6 sessions de coaching, de sessions de coaching stratégique de 2 heures. Il me reste encore 6 places. Alors, inscris-toi si tu veux partager ce temps avec moi. Que je puisse envoyer, je vais discuter avec toi, je vais t'écouter surtout. Moi, je vais t'écouter à 95% et peut-être parler à 5%. Donc, parce que l'objectif de ces 2 heures, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur, voir comment tu peux, où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites atteindre et pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas atteint ton objectif et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu puisses avancer. Donc, voilà, ce sera avec un grand plaisir. Il reste encore 6 places. Donc, si tu es intéressé, alors je mets le lien Calendly dans la description de cette vidéo et donc tu vas pouvoir t'inscrire. Et je te dis à très vite. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à bientôt. Hein? Et vraiment, vraiment, soyez bénis tout le monde et je vous aime. Salut!